Ma chère, vous me manquez. Je compte créer un moyen de communication plus efficace pour parler avec vous. Signé Florent. Alors Florent, qu'est-ce que tu fais chez toi, être enfermé tout seul comme ça? Mais alors, t'as pas d'amis? Mais laissez-moi tranquille, concentré sur mon projet. Allez Florent, viens en soirée avec nous! Rester tout seul, enfermé chez toi? Si je crée un réseau où chaque membre est relié aux autres, pour communiquer, ils enverraient des paquets d'informations qui seraient décodés à l'arrivée par un logiciel traducteur. Mais du coup, il faudrait également normaliser toutes ces données. On pourrait les encoder en HTML. Mais dans ce cas, si plus de personnes sont sur ce réseau, il faudrait des machines pour stocker et faire transiter ces informations. Nommons ça des serveurs. Et par contre, pour ces machines, il faudrait qu'elles aient chacune un identifiant. Appelons ça des adresses IP. Encore vous, mais c'est pas possible, je suis sur un énorme projet là. Mais t'es vraiment qu'un loser toi en fait, hein. Oh, calme-toi. On veut juste que tu viennes en soirée. Non, mais c'est bon. Hein. Hey, salut. J'ai vu que tu t'étais inscrit sur le site. Et du coup, c'est un site, un réseau social que j'ai créé. Et il s'appelle Social Link. Du coup, on peut s'envoyer des messages vocaux. Du coup, t'auras qu'à m'en envoyer un quand tu reçois mon message. Allez, salut. Oui, salut, du coup, j'ai bien reçu ton message vocal. Et ça serait bien qu'on se retrouve à l'endroit où on s'était vu pour la dernière fois. Voilà. Bah, à tout de suite, du coup. Ça fait super longtemps. Excusez-moi, c'est vous qui avez créé Social Link? Oui, pourquoi? Il a même créé Internet, vous vous rendez compte? Grâce à lui, on peut communiquer avec ses amis dans le monde entier. C'est vraiment trop bien. Mais oui, c'est super. Vous qui avez fait ça, c'est super. Il faut avoir une photo.